Je vais faire un long trajet, alors si une jolie fille comme vous pouvait me faire du café, ça m'aiderait à rester éveillée toute la nuit. Où est-ce que vous vous croyez? Les types dans votre genre, on n'en veut pas ici. Dès que j'aurai eu mon baiser d'adieu, je poursuivrai mon chemin. T'es de retour mardi? Je te ramènerai un petit cadeau. C'est toi mon cadeau. Évite de te faire pincer pour excès de vitesse pour une fois. Qui ça? Moi? Hé Greg, t'as parlé au type de la banque? Merde, je pars avec nous. Comme d'habitude, Greg est parti? Oui. Il a enfin du travail. J'espère qu'il n'aura pas toujours des voyages aussi, non? Tu devrais plutôt être contente qu'il ait trouvé ce job. Viens, en t'épousant, Greg s'est engagé à prendre en charge une famille déjà toute faite. Il en est responsable à plein temps. Maman? Oui, chérie. Je pourrais mettre le short vert pour aller à l'école? Je croyais que tu voulais porter une robe pour la rentrée. Le short? D'accord, il faudrait que j'y fasse un ourlet. Oh, au revoir. Au revoir, Tom Sharon. Alors, Patrick, t'as passé une bonne journée? Non, c'est horrible aujourd'hui. Tiens, ce n'est pas l'heure d'aller faire du vélo. Le déjeuner est prêt. Bonjour, Laurie. Bonjour, Franck. Tu vas où, Dwight? Je parie qu'il va au baseball. Mm-hmm. Tu peux avoir un sandwich pour déjeuner? Ouais. Coupé en quatre? En carré ou en triangle? En carré. Richie se moque de mon vélo, maman. C'est à cause des roues de sécurité. Mmh. Tu sais ce que Greg dit? Avant de pouvoir les enlever, il faut avoir plus d'expérience, sinon tu te casses la figure. Je crois pas. Moi, si. Mange. N'oublie pas, hein? Dans une demi-heure, je sais. Surtout, vous ne sortez pas de la résidence et vous restez ensemble. Tu veux aller chez les messieurs? Toujours sur ton tricycle? Mon père a dit qu'il les enlève pas samedi. Allez, viens. On fait la course? Cette fois, je vais te battre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu paries? Attendez-moi! Toujours à traîne. Dépêche-toi, Marie-Lie. C'est trop nul d'avoir encore des roues de sécurité. Ouais. Là, je vais le faire, c'est facile. Thank you.
crois que tu vas souffrir? Oui. Moi, non. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que maman a des doigts de fée. Maman fait des miracles. Hein? Encore un ici. Et voilà. C'est fini? Oui, tu vois, j'avais raison. Je les déteste. Cache plus que les autres. Oh, c'est ton amie. Elle joue avec toi. Et on va remettre tes roues. Tu veux bien? Ça y est. Et si tu allais chez Brandy pour jouer avec elle? Elle fait la sieste l'après-midi. Je vais aller chez Tante Sharon. Et n'oublie pas. Dans une demi-heure, je sais. C'est bien. Allô? Ah, c'est toi, Sharon. Oui, j'ai pris 2 services de plus cette semaine. Je le réglerai avec mes heures sup. Oui, bien sûr que je l'ai payé. Greg préfère conduire jusqu'en Floride plutôt que de tenir les comptes. Oh, non, c'est pas vrai. Je croyais qu'il avait posté la facture d'électricité. J'avais pourtant fait le chèque. Je pense pas qu'ils peuvent me couper le courant. Oh, ça m'énerve. Est-ce que Marily est là? Très bien. Quand elle arrivera, dis-lui de rester chez toi. Je vais leur porter le chèque, je serai plus tranquille. Oui, je t'embrasse. Je l'ai pas vue, Tante Laurie. Ah, ok, merci. Hé, Thelma, comment va Martin? Oh, ça pourrait aller mieux. On met du temps à s'en remettre après ce genre d'opération. Est-ce que vous avez vu Marily? Non, pas aujourd'hui en tout cas. D'accord. Au revoir. Marily, c'est maman. Marily, je suis rentrée. Hé, hey, Marily. Marily. Elle est peut-être avec eux, si jamais. Non, elle n'y serait pas allée sans me le dire, merci. Oh, va voir chez les Neffels et où je comptais aller. Thelma, vous n'avez toujours pas vu Marily? Non, mais allez voir chez les Mayfield. Cheryl n'est pas chez elle et Frank a emmené Dwight au baseball. Merci. Maman est au supermarché. Elle a pris Marily avec elle? Non. Philippe, file voir si elle est à la piscine de Regency Park. Pourquoi? Dépêche-toi.
pu aller bien loin. Allez, on va refaire un tour. On a cherché partout. Sa mère doit être dans tout cet état. On dirait qu'elle a vraiment disparu. Je pense qu'il faut appeler la police. Vous avez vu à l'heure du déjeuner cette camionnette blanche pas très propre devant l'école? Oui, oui, je l'ai vue. Le voilà qui est là. Marilyn n'est pas à la piscine. On va peut-être en savoir plus. Il y a Franck aussi qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Franck, je ne sais pas où est Marilyn. Et elle est partie depuis longtemps? Oh, ça fait 3 heures à peu près. Qui l'a vue pour la dernière fois? Je n'en ai aucune idée. Nous avons cherché partout. Et où est Greg? Il est sur la route, on l'a envoyé à Houston. Très bien, Laurie, écoute-moi. Je te parie tout ce que tu veux que Marilyn va arriver par ce chemin sur son vélo dans moins d'une minute. Et quand elle sera là, si tu ne lui donnes pas une bonne fessée, tu peux être sûr que je le ferai à ta place. En attendant, tu vas... Il faut appeler la police. Franck est de la police. Oui, mais moi, je suis un fédéral. C'est le shérif qui doit prendre l'affaire en main. Moi, je vais faire un appel à toutes les patrouilles. Laurie, écoute-moi. Ce n'est pas parce que je suis inquiet que je fais cet appel. Je ne vois aucune raison de l'être, d'accord? Je le fais pour les mettre au courant, c'est tout. Oui. Sois tranquille, on va faire le nécessaire. Oh, allez, calme-toi. Oh, mais où est-elle? On va l'attendre à l'intérieur. Elle va arriver d'un moment à l'autre et demain, tout sera oublié. Les gars, vous prenez vers le nord jusqu'à Cutty Creek. Rodrigue, lui, il ira vers le sud. Les lanières du guidon étaient trouvées par là. Il y a plein de volontaires qui vont se pointer. Parfait. Installe moi des barrages. Je veux pas voir la presse tant que je serai pas prêt à faire une déclaration. Il est quelle heure? 6h moins le quart. Il va pas tarder à faire nuit. Alors tu vois si tu peux trouver une radio qui fonctionne. Qui est de garde cette nuit? Kramer. Très bien. Dites-lui de venir sur place. Essaye aussi de m'avoir Jack Henry, il s'est parlé aux familles. Et arrange-toi pour savoir si l'hélicoptère est déjà parti. J'en ai vraiment besoin. D'accord. Nous sommes toujours sans nouvelles de la petite fille âgée de 6 ans, Marilyn Girard, qui a disparu de son domicile à Vista View, où elle vit avec ses parents. Nous allons essayer d'interroger le shérif qui vient d'arriver à l'instant. Écartez-vous, nous sommes en train de travailler. Shérif, avez-vous des éléments nouveaux à nous communiquer? Je suis désolé, mais je n'ai aucune déclaration à faire. Croyez-vous qu'il s'agit d'un acte criminel? Je vous répète que je ne suis pas en mesure de me prononcer. Où sont vos recherches? Bien sûr qu'on a vérifié, c'est même la première chose que nous ayons faite. Cette camionnette blanche garée juste devant l'école cet après-midi était chargée de meubles. C'était une livraison pour un habitant de la résidence. C'est tout ce que je peux vous dire. Si j'ai du nouveau, je vous ferai savoir aussitôt. Kramer, vous êtes là? C'est vous qui êtes de garde cette nuit? Oui. Là, ce sera donc à vous de mener l'enquête si on ne la retrouve pas vivante. Et Maury vous assistera. Ça m'a tout l'air d'être un homicide. Et priez Dieu pour que vous ayez tort. Chaque minute qui passe, c'est ce que je vous donner raison. Je vais me joindre à l'équipe de recherche. Je n'abandonne pas aussi facilement. Est-ce que tu vas? Je participe aux recherches. Pourquoi c'est à lui que tu as fait appel? Parce qu'il était de garde et que je ne fais pas de favoritisme. Ce sera son premier homicide si jamais c'en est un. Je sais, toi t'en es à ton 20e, mais ce soir la donne n'est pas la même. Il fera très bien son boulot. File-lui un coup de main et il s'en sortira. Et toi, ce sera ton dernier? Olsen, est-ce que t'as trouvé quelque chose? On a ratissé tout le coin et aucune trace de l'enfant. Allez maintenant vers l'est. Ok. On change de direction. Tout le monde vers l'est! Oh non, il manquait plus que ça. Cela fait bientôt 10 heures que la police, aidée par des volontaires, ratisse la région pour essayer de retrouver Marilyn Girard. Cette petite fille de 6 ans qui habite la résidence Vista View a disparu depuis hier de son domicile où elle vit avec sa mère, Laurie Bates Phillips, qui exerce la profession de serveuse, et Greg Phillips, son beau-père, qui est routier. C'est la plus vaste opération de recherche qui ait jamais été déployée dans ce comté. Depuis le début des recherches, les volontaires affluent de tout l'ouest de l'Arizona. C'était Gloria Perez qui vous parlait en direct depuis le poste de commandement de cette opération. Laurie, tu veux un café? Quoi? Un café. Non, merci. Bien. Je vais faire une prière pour votre enfant. Merci, Thelma. Qui est là? Mayfield. La
T'as besoin d'un coup de main? Oui, Claire par ici. J'ai vu des traces de sang. Ah non. Ce sont des traces d'animal. Tu peux me dire l'heure? 4h30. Je suis sûr qu'on va la retrouver. J'en suis convaincu. Je sors, je vais aller leur donner un coup de main. L'école. Désolée de te laisser, mais ça ira. C'était la rentrée aujourd'hui. Oui, je sais. Je passerai plus tard. Ok, passe-toi. Oui. Il faut que je rentre m'occuper de Martin. Merci, Thelma. Bonjour, Thelma. Bonjour, Franck. Vous tenez le coup? Ça va. Ah, ils vont draguer la rivière dans 2 heures. Ah, bonjour. Rien de nouveau? Non. Ta tante est un vrai cauchemar. Ouais. Tu crois que ce n'est pas pénible pour moi aussi? Je me sens si impuissante, assise. Je refuse de rester ici. De plus, Marie a sûrement besoin de moi. Je t'en prie, Laurie, où est-ce que tu vas? Attends. Je sais pourquoi ils veulent que je reste ici. Je le sais depuis le début. C'est parce qu'ils veulent que j'identifie le corps. Laurie, voilà Laurie, pourquoi. Calme-toi. Je vais y aller maintenant. Tu sais très bien. Écoute-moi, tu veux. Il y a des enfants qui disparaissent beaucoup plus longtemps que ça et on les retrouve sains et saufs. Oui, c'est vrai, légèrement affolés peut-être, mais en parfaite santé. Alors tu vas m'écouter. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de retourner dans ta chambre, de rester au lit et de prier. Tu sais prier, Laurie? Très bien. Sharon, on va la retrouver. Allez, Laurie, allez, va te reposer maintenant. Je vais y aller toute seule. Tu ferais peut-être mieux de rester auprès d'elle. Tu vas t'allonger, je vais te préparer un... Ouais, hein? Je crois que tu as raison. Je voudrais te poser une question. Comment tu as fait pour revenir aussi vite? En mettant le pied au plancher. J'ai fait pas mal d'excès de vitesse. Ouais, je vois. Tu as besoin de te reposer, toi aussi. Je te remercie.
Je suis désolé. Non. Non. Non, non, mais... c'est pas vrai. Laurie, arrête. Non, Laurie. Non. Toxicologie ne signale aucune trace de poison dans le sang, cause de la mort, asphyxie par strangulation. Avec un bras sans doute. Celui qui l'a fait n'avait pas besoin d'être costaud. Et rien n'indique qu'elle ait été violée? Bien que sa culotte soit déchirée d'un côté, on ne peut pas dire qu'elle ait été violée. Tout ce que nous avons, ce sont plusieurs cheveux de couleur brune qui pourraient provenir de n'importe quelle tête. Ah oui, encore une chose, il y avait un hématome sur chacun des poignets. Il est couché dans la chambre. Le médecin lui a donné quelque chose. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tout allait si bien quand je suis parti. C'est fou comme les choses peuvent basculer. On se dit toujours que les drames, ça arrive qu'aux autres. Et puis un jour, ça vous tombe dessus. J'étais si fière d'entrer au CP. Elle disait, je suis une grande fille maintenant. Excusez-moi, je parle, alors que vous êtes là pour travailler. Vous avez une enquête à mener. Moi, je sais même pas quoi vous dire. J'ai beau réfléchir, je ne vois vraiment pas qui a pu tuer Marie-Lee. On n'a aucun ennemi. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je vois pas comment. Dites-nous seulement ce dont vous vous souvenez. Bien, j'étais sur la route en direction de Nogales et je me suis arrêté pour téléphoner. J'ai appelé d'une station-service à notre Fest Ranch. J'aurais dû partir. Laurie? Le médecin a dit que tu devais rester couché. Ces deux messieurs sont de la police, c'est eux qui vont mener l'enquête. Ils sont là pour nous poser quelques questions. Vous m'avez dit comment elle était morte, mais... telle... Non, le rapport d'autopsie l'a confirmé. Elle a été étranglée. Tu ne le reconnais pas? C'est Jack Henry. Il avait 2 ans de plus, mais on allait dans le même lycée. Et voici son collègue, le lieutenant Kramer. Nous sommes vraiment désolés pour votre fille. Si vous êtes en mesure de répondre, j'aimerais vous poser quelques questions. Ça nous aiderait beaucoup. Non. Non. Vous voulez vous asseoir? Oui. Madame, si ça vous est trop pénible, vous n'aurez qu'à nous le dire. Votre sœur nous a dit que votre fille, Marie-Lee, avait quitté la maison à vélo à 2h15 et qu'elle devait revenir vous voir toutes les demi-heures, donc à 3h moins le quart. Elle l'a fait? Non. Alors vous êtes allé à sa recherche, mais pas avant 3h. C'est ça, oui. J'ai dû m'assoupir quelques minutes. Vous vous êtes assoupi une demi-heure environ? Non, pas si longtemps. Je suis désolée, tout s'embrouille dans ma tête. J'y arrive pas. Ce n'est pas grave, écoutez. Nous allons remettre cet entretien plus tard. Oui. Bien, je vous rappellerai, madame. Tu as raison, il faut lui laisser encore un peu de temps. C'est fini, on est tous les deux maintenant. Laurie, tu es prête? Les obsèques ne seront pas longues. Tu veux dire au revoir à Marie-Lee, n'est-ce pas, Laurie? Non. Je ne veux pas dire au revoir à Marie-Lee. C'est encore trop tôt. Sharon, tu peux m'apporter mes cachets. Ça ne va pas t'enlever ton chagrin. Ça ne fera que t'assommer. Tiens. De soutenir cette mère et ce père afin que nous puissions les aider à supporter leur chagrin. Fais que leurs proches et leurs amis restent unis et qu'ils croient en ton amour éternel. Tu es le seul à pouvoir exaucer nos prières. Et bien que tes voies soient impénétrables, nous avons confiance en ta divine miséricorde. Jésus a dit,
pitié des vivants et des morts. Qu'un résident de Vista View a tué cet enfant. J'essaie seulement d'envisager toutes les possibilités. Vous connaissez les Phillips depuis longtemps ? Nous sommes voisins depuis presque un an. C'est un couple agréable. Lui, je crois qu'il vient du Texas. C'est tout ce que vous savez ? Faire des commérages, c'est pas mon fort. Mais un grand nombre de crimes est justement résolu grâce aux commérages. Ouais. On va sûrement se revoir. Sûrement. Encore une question. Greg Phillips avait déjà fait la moitié du trajet quand il a appris que sa fille avait disparu. Il est arrivé chez lui à quelle heure ? Tu le sais, toi ? Je pense vers 2h. 2h du matin. Ouais, hein ? Et il a roulé comme un malade, non ? Ouais. Ouais, il fait comme Paul, H-I-L-I-P-S, comme Sam. Ouais, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans le Texas. Très bien, j'attends. Tenez les positions sur l'étranger, là. Il n'y en a pas deux qui concordent. Sur celle-ci, il est petit et brun. Sur celle-là, il est grand et baraqué. Ah, et ce petit vieux qui habite près du parc, monsieur Abbott, il dit qu'il a vu une quatre portes couleur crème garée dans le coin vers 3h. Oui, je suis toujours là. C'est les renseignements sur les Phillips ? Oui, elle était enregistrée sous le nom de Laurie Bates. Pas de preuves ? Pas de suspect, pas de mobile, pas de témoin. Les tueurs d'enfants sont difficiles à coincer, tu devrais le savoir, non ? C'est pas qu'ils soient intelligents, mais le mensonge, c'est inné chez eux. T'as vu ça ? Les hématomes sur les poignets ? Oui, j'attends toujours. Elle portait peut-être des bracelets et il les a arrachés violemment. Oui. Et vous avez la date exacte ? C'est ça, oui, Greg Phillips. Oui, dites, vous ne pourriez pas me poster tout ça au plus vite ? C'est très gentil de votre part. Oui, merci. Merci beaucoup. On le tient. Bravo, qui ? Je voudrais qu'on vienne un peu en arrière. D'après mes renseignements, vous vous êtes mariés il y a un an. C'est la première fois pour vous deux ? Moi, oui, mais Laurie a été mariée au père de Marily. Ah, oui. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Eh bien... J'avais un chargement de logiciels à livrer de San José à Phoenix et comme j'allais dans l'Arizona, une copine m'a dit « Ma meilleure amie habite dans l'Arizona, tu devrais passer la voir. Je suis sûr que vous vous entendrez. » Voilà. Elle avait raison. Et vous êtes devenu le beau-père de Marily.
D'après ce qu'on m'a dit, c'était une enfant agréable. Oui. Elle m'a accepté sans problème. C'était comme si j'avais toujours été là. Vous deviez être très attaché à elle. Il y a plusieurs choses qui clochent. Alors j'aimerais qu'on éclaircisse certains points. Lesquels ? Vous nous avez bien dit lors de notre premier entretien que vous vous étiez assoupi entre 2h30 et 3h. C'est exact. Seulement voilà, votre voisin, M. Martin Valèze, jure vous avoir vu sortir avec votre voiture au même moment. C'est bizarre, non ? Mais oui, j'avais oublié ce détail. Il a raison. J'ai pris la voiture pour aller payer ma facture d'électricité. Ouais, et ça vous a pris combien de temps ? Je dirais une dizaine de minutes. Vous auriez dû nous le dire la première fois, Laurie. J'espère que vous nous dites la vérité. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? On ne l'a pas accusé, Monsieur Phillips. Bien sûr que si, vous l'accusez. Essayez de garder votre calme. Non, non, ne demandez pas de rester calme, on vient d'enterrer notre enfant. Ne m'obligez pas à vous coffrer. Tout compte fait, Jack, ça vaudrait peut-être mieux qu'on l'embarque, parce que je ne pense pas qu'il aimerait que sa femme écoute ce qui va suivre. De quoi vous voulez parler ? Pour commencer, nous avons ici une photocopie de votre acte de mariage au Texas. Iris Darling et Greg Phillips, vous voulez le voir ? Greg ? C'est vrai. Mais on avait divorcé 3 mois après. Ensuite, il y a eu cette condamnation pour trafic de drogue à San Antonio. Quoi ? Ne faites pas l'innocent, on va jouer carte sur table, d'accord ? Vous avez continué à trafiquer ici, je me trompe ? Vous êtes cinglé ! C'est pour ça que votre fille ne vivait pas avec mais vous. Mais de quoi vous parlez ? Ça fait seulement 6 mois que la petite est à votre charge. Qu'est-ce que vous faisiez quand elle n'était pas avec vous ? Je cherchais du travail à cette époque. Vous pensez que je l'avais ça ? J'ai mis au monde Marily. Ensuite, je l'ai élevée jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Et son père et moi, nous nous sommes séparés. Si je voulais avoir les moyens de l'élever toute seule, fallait que je trouve un travail fixe. C'est pour cette raison qu'elle a vécu 6 mois chez son père. Vous aimiez Marily ? C'était ma fille. C'était mon sang. On m'a enlevé ce que j'avais de plus cher au monde. C'est pas un homme qui a tué ma fille, c'est un monstre. Alors fichez-moi le camp et trouvez ce meurtrier. Trouvez-moi ce meurtrier. Vous feriez mieux de partir. Oui, nous allons vous laisser. Je vous attends au poste de police demain matin. Vous viendrez signer votre déposition. Il viendra ? Bien sûr qu'il viendra. Je ne crois pas qu'on ait peut-être allé un peu trop loin avec les Phillips. Jack, 9 fois sur 10, c'est lié à des querelles de famille, ces crimes-là. Arrête avec tes statistiques, je te parle d'êtres humains, pas de robots. Attends, j'ai pas plus envie que toi d'expédier ces gens en tôle. Mais qu'est-ce qui nous reste si c'est pas un crime sexuel ? Eux deux. Ni l'un ni l'autre n'ont d'alibi. La mère est la dernière personne à l'avoir vue en vie et elle nous a déjà menti. Ça n'avait rien d'intentionnel. Ils ont aussi des problèmes financiers. Si ça c'était un crime, toute la ville serait sûrement en tôle. Jack. T'as vu son casier qu'on nous a fait parvenir du Texas ? Oui, je ne dis pas que c'est un saint, mais consommer de la drogue, c'est une chose, et commettre un meurtre, c'en est une autre. Il prend de la drogue et il en vend. Dieu sait ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas pour sa femme, mais en ce qui me concerne, Greg Phillips est notre client. C'est mon suspect numéro 1. Bonjour, Sharon. Tu n'as besoin de rien ? Non, ça va. Greg est rentré ? Il est toujours avec la police. Si tu ne veux pas attendre toute seule, je peux venir. Non, je te rappellerai, d'accord ? Tu es sûre que tu vas bien ? Oui, je vais bien. Tu sais que je suis là. Oui, je t'embrasse. Au revoir.
T'es toute seule? Sharon ne devait pas passer? Oh, je lui ai dit de passer plus tard, j'avais des choses à faire. J'ai vu le moment où ils allaient m'obliger à avouer. J'étais prêt à appeler un avocat. Finalement, ils m'ont laissé partir. Est-ce que tu veux une... une bière? Fais pas cette tête, Laurie. C'était pas sérieux. À l'époque, j'avais que 17 ans. Je travaillais sur une plateforme pétrolière. Je me sentais terriblement seul. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais parce que ce mariage n'a été qu'une erreur de jeunesse. J'étais complètement rond un soir, et voilà. Ce qui me gêne, c'est pas que t'étais mariée, Greg. C'est le fait que tu n'aies rien dit. Je ne t'ai rien caché, moi. Ce mariage n'a été qu'une bêtise, rien d'autre. J'ai eu peur que tu changes d'avis sur mon compte si je t'en avais parlé. Et pour le reste, est-ce que c'est vrai? Non, c'est sûrement une erreur. Ils ont dû me confondre avec quelqu'un d'autre, tu peux me croire? T'es dealer, Greg. Si j'étais dealer, tu crois que je serais obligé d'acheter des pneus d'occasion? Tu crois qu'à la banque, on serait toujours à découvert? J'en sais rien. En ce moment, tu n'as pas toute ta tête. Je sais que tu vas pas bien, mais tu verras, avec le temps, tout ira mieux. Je découvre tout d'un coup que tu as plein de secrets. Tu en as d'autres? Je te demande si t'en as d'autres. Je veux que tu me dises oui ou non. Et regarde-moi bien dans les yeux quand tu me le diras. C'est pas vrai. Non, mais je rêve. On croirait entendre la police. Je crois que tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu endurer avec eux. Venant de leur part, j'arrive encore à comprendre. Mais venant de toi, ça me dépasse. Tu crois que j'ai tué ton enfant? Notre enfant? C'est ça que tu crois? Hein? Quand même, faut pas... C'est Général d'Optique. Pour 1 euro de plus, une deuxième paire pour vous et un chèque cadeau pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical CE. Après la stérilisation, les chats ont tendance à avoir plus d'appétit et à prendre du poids. La nouvelle formule d'Ultima Chat stérilisé est plus savoureuse grâce à des protéines de haute qualité. Elle est également allégée en matière grasse pour les aider à contrôler leur poids. En fonction de son âge ou de son mode de vie, à chaque chat stérilisé, son Ultima. Il y a un âge où on n'est plus un enfant. Mais pas encore un grand. Un âge où on aime être en famille.
Enfin, la plupart du temps. À cet âge où ils changent si vite, il y a un endroit où ils peuvent encore tout partager avec vous. Alors n'attendez pas. Bienvenue chez Hotel Tonight, la meilleure application de réservation d'hôtel à la dernière minute. Nous avons déniché les meilleurs prix dans des hôtels triés sur le volet. Réservez en quelques secondes depuis votre mobile pour ce soir et jusqu'à 7 jours à l'avance dans 500 villes dans le monde. Téléchargez l'application gratuitement sur iPhone, Android et Windows et trouvez l'hôtel de vos rêves. Découvrez la dernière innovation Adidas Climacool. Technologie Climacool avec des capsules de fraîcheur activées par le mouvement. Plus votre effort est intense, plus il est efficace. Adidas Climacool, la performance en mouvement. Get ready. Sois prêt pour l'ultime défi avec la gamme Adidas UEFA Champions League. Pour les fans de fruits rouges, de coco, de menthe chocolat, de rhum raisin, bref, pour vous les gourmands, les 6 cônes glacés Auchan sont à seulement 1,50€. Le choix au meilleur prix. Auchan. Découvrez les Matal Grand Affiné Président. Affiné plus longtemps, pour un goût plus typé. Fête des mères avec Swarovski. C'est quoi une meilleure assurance? Moi, tu vois, si je devais inventer une assurance, je la ferais comme la Maïf. Ça fonctionne entièrement sur la confiance. On se fait confiance, donc on se sent responsable. Tout est plus simple. On est mieux remboursé. Et au final... Merci. C'est pas forcément plus cher. Ouais, ils disent tous ça. Tiens, conduis. Quoi? Oui, je suis couvert. Et toi aussi, comme je te fais confiance. Comme quoi, ils ont raison. La confiance, c'est efficace. Tiens, si je devais inventer une assurance, je la ferais comme... On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant. Vous êtes pressé de prendre l'air en famille. Ça tombe bien. Kinder vous offre une activité en famille pour l'achat de 6 produits au choix. Rendez-vous vite sur kinder.fr. D'utilisation qui découpe, prépare et cuit des recettes parfaites de l'entrée au dessert pour composer un million de menus. Cuisine Compagnon de Moulinex, votre partenaire en cuisine. Je peux revoir la déposition de Philippe, c'est son casier. C'est ce que t'as en main. Condamné en 84 pour trafic de stupéfiants, mâle de race blanche, âge 25 ans, profession routier. Nom, Greg Phillips. Et pour les empreintes? Je les ai pas encore. Il les faut pour un mandat de perquisition. Il va se faire la malle, chérie. Je pense qu'il était déjà prêt à s'en aller ce matin. Et c'est pas seulement une intuition. Je vous dis qu'ils sont impliqués dans une sale affaire. Je sais pas, moi. Peut-être que c'est une querelle entre dealers qui aurait mal tourné et la petite a trinqué. Qu'est-ce que t'en penses? J'y crois pas trop à cette version. J'admets que pour le mari, il y a des points qui sont pas clairs. Mais je connais Laurie. Je connais ses proches. Elle vient d'une famille respectable. La police n'aurait pas dit que Greg avait été dealer sans avoir de preuves. Tu ne crois pas? Sharon, ils font tout pour trouver des suspects. Mais c'est seulement ça, rien d'autre. Mm. Encore du café, Laurie? Non. On va y aller. Franck doit avoir du travail. Laurie, si tu ne dis rien à Franck, je vais le faire. Qu'est-ce que c'est? Les fiches d'essence. Elle me les a montrées ce matin. Je lui ai dit qu'on devait en parler.
Je l'ai trouvé dans son gilet. Vous devez penser que je suis folle. Non. Ça t'embête que je jette un œil? J'ai trouvé qu'il était revenu bien vite cette nuit-là. La nuit où ça s'est passé. Oui, je m'en souviens. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de fiche de la station-service de Notches Ranch. Il a fait comment pour revenir de si loin sans faire le plein? Vous croyez qu'il est arrivé vite parce qu'il n'avait pas un aussi long trajet que ça à faire pour revenir? Je ne sais plus quoi penser. Je lui fais confiance et je l'aime. Tu ferais mieux de les montrer à la police. Non, s'ils les veulent, ils n'ont qu'à me le demander. Où j'ai mis mes cachets? Oh, j'ai dû les oublier à la maison. Laurie, Franck, ne dis pas à Greg que je suis passée te voir. D'accord, je ne dirai rien. Allez, viens. Merci. Ouais. De perquisition. Qu'est-ce que vous comptez trouver? Si je le savais, j'aurais pas besoin de chercher. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Olsen, tu fais la chambre et vous autres, vous me fouillez tout le salon. Hé, hey, pose ça! Hé, hey, laissez ces photos où elles sont. Mettez pas vos albums dessus, n'y touchez pas! Je vais appeler votre collègue. Pourquoi vous est-ce qu'il est là? Ça ne servira à rien de l'appeler. Laurie, viens. On va sortir d'ici. Viens, viens. Valérie, je peux utiliser ton téléphone? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent la maison pour trouver des indices. Pourquoi? Je me demande ce qu'ils font là. Hé! Hé, sortez de là-dedans! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Qu'est-ce que vous cherchez là? Éloignez-vous, Félix. Vous cherchez les empreintes de Marley? Il y en a plein dans la cabine. Je l'emmenais tous les week-ends. Restez pas là, je vous dis. Il me soupçonne d'avoir tué notre petite fille. J'ai jamais fait de mal à cet enfant. Je l'aimais autant que toi. Vous m'emmenez tout ça au labo et vous le faites examiner. Hé, hey, touchez pas à mes affaires! Laissez-les faire les vous allez vous calmer!
Vous êtes en état d'arrestation, Gregfield. Vous avez le droit de garder silence. Si vous refusez de le garder, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Pourquoi vous m'arrêtez ? Si vous avez un avocat et que vous n'avez pas les moyens de le payer, l'État vous en commettra un d'office. Emmenez-le. Elles correspondent pas, Olsen. On peut le laisser partir. Dites-lui, moi j'appelle sa femme. Tu es. Ça y est. Phillips, c'était quelqu'un d'autre au Texas qui s'appelait Phillips. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Oh, ma chérie, tu ne peux pas me laisser tout seul. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile, mais... Tu n'as pas le droit de t'en aller, je t'aime tellement, je t'en supplie, il faut que tu restes avec moi. J'en peux plus, je prends si bien de mourir, j'ai déjà le sentiment d'être à moitié morte de toute façon. Greg, non! Si, si, on n'est pas tout seul, nous formons une famille. On doit se soutenir. Et moi, je te jure que je vais t'aider à trouver le courage de continuer. Alors écoute-moi bien, je te promets que nous arriverons à nous en sortir, Laurie. Je te le promets. Fais-moi confiance. Je t'aime. Hé, j'ai quelque chose à redire sur ma cuisine. J'avais oublié. Quoi? Je peux m'asseoir à côté de toi dans le bus? Je le sais. Alors, ça s'est bien passé, cette rentrée? Oui, très bien. On est dans la même classe cette année. Tu es levé depuis quand? C'est une idée. Greg, Tu sais à quelle heure Tom Gardner rentre de son boulot? Il rentre avant moi. Sa voiture est toujours là quand j'arrive. Pourquoi? Pour rien. Tu te rappelles ce qu'ils ont dit? Marie-Lee devait connaître la personne qui l'a tuée. Il se peut même qu'il soit tout près d'ici. Il se balade tranquillement dans la résidence. Comme n'importe qui. Et personne ne peut le soupçonner.
du café. Là, c'est la liste des familles qui habitent la résidence. Et là, j'écris ce que chacun faisait le jour où Marie, enfin au moment du crime. Et là-dessus, il y a la couleur et aussi la marque des voitures qu'il possède. Mon nom est là. Et celui de Cheryl. Et celui des enfants. C'est fait pour tout le monde. Les enfants aussi. Et sur cette page, j'ai mis tout ce qu'on a écrit dans la presse à propos du crime. Il y a les indices, les témoignages. Laurie, la police a déjà fait tout ce travail. Je sais, mais essaie de comprendre. Le meurtrier est quelqu'un qu'on doit sûrement croiser tous les jours. Je connaissais ma fille. Jamais elle ne serait sortie de la résidence sans me prévenir. De deux choses l'une, ou bien le meurtrier n'habitait pas la résidence et il l'a enlevée. Et personne n'a remarqué quoi que ce soit à part cette camionnette. Ou bien il était déjà sur place. Laurie, je sais ce que tu dois ressentir, mais... Non, tu ne sais pas. Si un tel drame ne vous est encore jamais arrivé, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vit. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pensé qu'on ferait une bonne équipe, tous les deux. Toi, tu questionnerais les gens de ton côté et moi du mien pour trouver de nouveaux indices. Et peut-être qu'on apprendra que cet après-midi-là, un livreur ou un autre... Laurie, je ne peux pas gêner le déroulement de l'enquête. Franck, ce sera notre petit secret. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire, merci. Mais je ne te promets rien, c'est délicat. Tu es vraiment un ami, Franck. Ouais. Notre secret. Oh, tu peux en être sûr. Si je le dévoile, je risque d'avoir des ennuis. Je m'en doute. Ouais. Merci. La moitié des enfants enlevés ou tués dans le comté l'ont été par des gens qu'ils connaissaient. Tu me donnes le livre de médecine légale qui est là, s'il te plaît. Pourquoi tu fais tout ça? Me dire ce que tu espères découvrir. La police a épluché en long et en large toutes ces affaires de meurtre. Il faut que je le fasse. C'est la seule raison qui me pousse chaque matin à sortir du lit pour affronter une nouvelle journée. C'est ma raison d'être. Très bien. Alors laisse-moi Vas-y. Le faire. Fais comme tu veux. Bob a téléphoné. Je me disais que tu pourrais peut-être reprendre ton travail. L'Arizona. Si vous voulez commettre un meurtre sans être arrêté, n'hésitez pas à le faire dans ce comté. Oh, je vois, oui, vous croyez faire mieux que la police si ce qu'on raconte est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez décidé de mener votre propre enquête, avouez-le. J'ai très bien compris votre petit manège. Vous cherchez à détourner les soupçons sur quelqu'un d'autre pour qu'on vous oublie. C'est facile à deviner. Ça ne marchera jamais, Laurie, je vous le garantis. Si je veux, je peux vous arrêter sur le champ. Vous entravez le déroulement de notre enquête. Je vous souhaite une excellente journée. Laurie, les saucisses et les œufs sont prêts. Hé, Laurie, où tu vas? Franck!
dit à la police. Ça devait rester Laurie, entre nous, tu n'es qu'un menteur. Calme-toi. Je pensais que c'était de mon ce côté. Ce n'est pas ce que tu crois, Laurie. Je n'ai rien dit. Tout le monde sait ce que tu fais. Quelqu'un l'a bien dit à la police. Bon sang, j'ai pris plein de risques ces derniers temps. Et toi, tu me remercies de cette façon-là. Laurie. La seule chose qu'il fallait dire à Kramer, c'est que tu voyais pas du tout de quoi il parlait. Hé hey. Qu'est-ce qui se passe? Monte dans la voiture. Laurie, monte, je te dis. Allez. Viens. Pourquoi elle est fâchée? C'est rien, ma chérie. Allez, entre. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous parliez? Quelqu'un a dit à la police ce que je faisais. Kramer s'est pointé au restaurant. Attends. Comment Franck a su que c'était Kramer? Quoi? J'ai jamais parlé de Kramer, je lui ai dit la police. Oui, je sais pas de quoi tu parles, mais tu peux pas aller chez les gens et te disputer avec eux comme tu viens de le faire à l'instant. Bon, allez, va te reposer. Allez, ça te fera du bien. Quelqu'un a vu une voiture de couleur crème qui stationnait tout près de l'endroit où on a retrouvé le corps. Tu sais que la moitié des gens de ce comté possèdent une voiture de couleur crème? Laurie, je vais au centre commercial. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Laurie ne travaille plus? Elle a arrêté. Oh! Je me demande comment ils vont s'en sortir. Tu as vu ce carnet qu'elle trimballe toujours avec elle ces derniers temps? J'ai pas remarqué. Pourquoi elle nous regarde toujours? Ça me donne la chair de poule. Peut-être qu'elle veut nous jeter un sort. Qu'est-ce que tu regardes, Randy Campbell? C'est son linge qui est intéressant. Vite, n'est-ce pas? Il paraît que vous avez pris le relais. Oui, le shérif fait tourner ses équipes tous les deux ou trois mois environ. Moi, j'ai demandé à rester sur ce dossier. J'étais venu me recueillir sur sa tombe. Ça fait tout juste trois mois aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous ne me suivez pas? Vous n'avez jamais été suspecté, Laurie. Greg non plus. Vous savez ce que je crois? L'homme qui a tué Mary Lee est de Vistaview. Où il vit ici, où il travaille tout près. Laurie...
toutes les personnes qui se trouvaient dans le parc le jour où c'est arrivé ont été contrôlées. Ça, c'est quand Kramer menait l'enquête et que tout le monde croyait que c'était Greg. Alors vous vous dites que maintenant, on pourrait peut-être revoir certains témoignages. Ça vaut le coup d'essayer. Certains détails nous échappent, comme cette voiture crème qu'un témoin aurait vue là où on a trouvé le corps. Frank Mayfield a une voiture de la même couleur. Hey, Olsen. Il me manque plusieurs dépositions sur l'affaire Marie-Lise Girard. Elles sont toutes là. Et celle de Frank Mayfield? Au baseball avec son fils. On n'a rien d'autre. C'est de la triche, t'es parti avant moi. À chaque fois que tu perds, faut que tu trouves une excuse. C'est qu'un mauvais joueur. On a qu'à en faire une et c'est moi qui donne le départ. Si tu veux. Hé, hey, les enfants, venez voir. Vous tombez bien tous les deux. Vous voulez me rendre service? J'en ai toute une pile à coller. Ce sont les nouveaux avis, ça m'arrangerait que vous m'aidiez à les mettre. Alors vous voulez bien? Bien sûr. Merci. N'oubliez pas d'enlever les anciens. Mettez-les sur les boîtes aux lettres, sur les troncs d'arbres. Je vous fais confiance. T'as changé de bicyclette? Ouais, j'ai rajouté des pièces. Allez-y. Merci, les enfants. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce truc rose. Oh, il était tout rouillé. Où tu l'as trouvé? J'en sais rien. Où tu l'as trouvé? Hé, hey, vous fâchez pas, j'ai oublié. Réfléchis, fais un effort. Je sais plus, c'est peut-être un copain qui me l'a donné ou alors je l'ai trouvé quelque part. Dwight Mayfield l'a trouvé dans son jardin. Ah, c'était il y a longtemps, je sais plus chez lui. Cache. Non, attends, reviens. Cache. Elle est folle, plus sur le camp d'ici. C'est vrai qu'elle est bizarre. Ça pourrait provenir d'un vélo d'enfant. Il devait être rose à l'origine. Un vélo de petite fille, probablement. Possible. Marie-Lee? Non. Cash Gardner dit que c'est votre fils Dwight qui lui a donné. Il l'aurait trouvé quelque part par là. Ah bon? Peut-être bien. Mais il ne m'a rien dit à moi. Je croyais que le vélo de Marie-Lee avait été mis en pièces sur les lieux du crime. C'est vrai. Alors comment c'est arrivé ici? Si, effectivement, c'était le sien. Il y a beaucoup de vélos roses. Nous allons le comparer avec l'autre pour voir si ça colle. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vais surveiller le quartier. Oui. L'assassin se trouvait dans la résidence quand il a démonté le vélo. La petite aurait donc été kidnappée devant son propre jardin. Elle l'a probablement suivi sans résister parce qu'elle le connaissait et qu'elle lui faisait confiance. Écoute le portrait type du FBI. Mâle, célibataire entre 30 et 40 ans. Peu d'instruction, mais occupe souvent d'assez hautes fonctions. Rusé, manipulateur, aime prendre des risques, n'a pas l'air dangereux et s'intéresse à tout ce qui est militaire. Qu'est-ce que vous en dites, Olsen? Les papillons correspondent? Parlez au shérif. Bonjour. Bonjour, Laurie. Vous tombez bien. Ça, ça vient du vélo de Marie-Lee. Oh, mon Dieu. Nous avons fait un grand pas. C'est la première piste sérieuse depuis des mois. Alors vous allez enfin arrêter Frank Mayfield? Attendez pas si vite. Rien ne nous prouve que c'est lui. Il n'y a rien qui nous permette d'associer ces papillons à Frank Mayfield. Et même si c'était le cas, c'est loin d'être suffisant. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Des preuves qui soient plus solides, qui soient plus convaincantes. Un alibi qu'on pourrait facilement démolir. Vous avez une pièce à conviction. Elle vient du vélo de Marie-Lee. Elle a été trouvée dans son jardin. On ne sait pas ce qu'il faisait précisément à l'heure où elle a été tuée. Sa voiture est de la même couleur que celle qui a été vue sur les lieux du crime. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous attendez qu'un autre enfant soit tué? Elle est vraiment très jolie. Il lui a dit merci au moins. Oh! Bonjour, Andy. Bonjour. On va planter l'arbre de Noël, puis on va aller tous le décorer dimanche. Je sais. Oh, quelle jolie poupée tu as là. C'est déjà un cadeau de Noël? C'est seulement un cadeau. De la part de grand-mère? C'est Franck. Tu devrais y aller, Brandy, tu vas être en retard. Au revoir. Au revoir. Salut. Elle est très jolie, ta maison. Merci. Valérie,
Tu sais, je n'ai pas trop le temps. Cher, elle va arriver pour me coiffer. Désolée. Je crois que tu ne devrais pas laisser Franck et Brandy passer je trop de temps. Je sais que tu cherches à faire accuser Franck. Il y a des choses très étranges. Tu ne penses pas que c'est un peu exagéré, tous ces cadeaux qu'il lui offre? Franck? Oh, tu n'es pas sérieuse, Laurie. Lui et Cheryl n'ont pas de petite fille, alors ils gardent Brandy plus que les autres. Oui, ils passent trop de temps avec elle, alors sois prudent. Écoute, je vais te dire ce que je pense. Frank Mayfield est la personne la plus gentille que je connaisse. Tout ce que tu me racontes en ce moment n'a pas de sens, Laurie. Si ça en a un, alors tu vas m'écouter. Non, arrête, c'est toi qui écoutes. Tu penses que c'est de ta faute ce qui est arrivé à Marie-Lee. Et c'est faux. Tu te sens responsable, tu peux pas le supporter, alors tu rejettes la faute sur quelqu'un d'autre. Maintenant, ça suffit. Je ne veux plus qu'on en parle. Et je t'assure que je ne suis pas la seule. Baby Bio va chercher ses ingrédients là où la nature est la plus généreuse. Baby Bio, l'aventure du goût commence ici. Je suis une femme. Une épouse. Une maman. Je suis amoureuse. Je suis puncheuse, bricoleuse. Je berce les enfants. Cuisine pour les grands. Pompier à mi-temps. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis bien plus encore. Voici mes céréales Special K. Avec des céréales complètes, des fibres, des vitamines, des minéraux. Des bienfaits dans chaque délicieux pétale. Nouveau Special K, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est bien plus encore. Vivez en couleur. Un déodorant classique peut agresser votre peau. Déo Soin Dermato Cavaillès au micro-talc naturel. Ultra efficace, il absorbe transpiration et odeur. Sans sel d'aluminium, il respecte votre peau. Déo Soin Cavaillès, l'efficacité avec plus de soin. Le Happy Meal, c'est un menu avec au choix un hamburger composé d'un steak haché 100% pur bœuf, des nuggets au blanc de poulet pané ou du poisson pané préparé avec des filets 100% issus d'une pêche durable. Happy Meal, bien plus qu'un simple menu. Quand on va dans un restaurant, il faut que tout se passe bien de A à Z avec un accueil parfait, un service également courtois. C'est hyper important que le produit marketing soit aussi réussi. Vistaprint donne les outils pour créer quelque chose d'intéressant et de professionnel. C'est le moment d'afficher votre professionnalisme. Sans carte de visite à seulement 4,99€ plus un porte-carte gratuit en indiquant le code promo TVCENTRE sur vistaprint.fr. Le résultat ne dépend pas du prix en fait, donc c'est pour ça qu'on continue avec Vistaprint. Chaque maman est unique. Pour la fête des mères, montrez-lui à quel point vous l'aimez. Pandora, célébrez vos moments inoubliables. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mon radar en temps réel sur le vous. Ici, je peux voir qui est près de moi et qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Plus de 20 millions de personnes sont déjà sur le vous. Où es-tu? Télécharge l'appli Love Me gratuitement. Nouveau Taft Force Carbone. Un gel à la fixation incassable et ultra légère. Pour un style qui résiste à tous les chocs. Nouveau Taft Force Carbone de Schwarzkopf. Ça tourne. Ici Albert reporter. Maman, avant, elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait. C'était pas la joie. Et puis elle a découvert Matin Léger. Et voilà le résultat. Matin Léger de Lactel, avec seulement 0,5% de lactose, du bon lait facile à digérer. Coucou chérie. Je sais tous les matins comme ça. Matin Léger de Lactel, le lait facile à digérer. Nouveau, le premier café au lait facile à digérer par Matin Léger. Bienvenue chez Hotel Tonight, la meilleure application de réservation d'hôtel à la dernière minute. Nous avons déniché les meilleurs prix dans des hôtels triés sur le volet. Réservez en quelques secondes depuis votre mobile pour ce soir et jusqu'à 7 jours à l'avance dans 500 villes dans le monde. Téléchargez l'application gratuitement sur iPhone, Android et Windows et trouvez l'hôtel de vos rêves. Pour que le meilleur soit accessible à tous, les menus U pour 4 coûtent seulement 2€ par personne. Et cela ne cache que des bonnes choses. Comme des emplois dans des entreprises françaises ou des matières premières agricoles de nos régions. Cela peut aussi cacher davantage de meilleurs produits. Ou encore, un plus grand respect des ressources. Les menus U, des prix aussi bons pour tous, vous ne trouverez pas plus bas. U, le commerce qui profite à tous.
du matin. Faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Osez, changez, mixez sur 38.fr. Fini le verre chez Appétit. Le nouveau pot est léger et incassable. Savourez votre bolognaise. Appétit, merci, vous aussi. 9 clients sur 10 recommandent les croisières Costa. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'une croisière Costa, c'est la garantie de vacances réussies. Et en ce moment, vous pouvez profiter de notre offre, satisfait ou remboursé. Le monde est si beau en italien. Découvrez-le avec Costa. Tu veux essayer notre nouveau gel douche pour peau sensible ? Non, merci. Je préfère quand ça sent bon. Pas justement ! Sans. Faites des jaloux avec le gel douche hypoallergénique Le Petit Marseillais. Pour le plaisir des peaux sensibles. Déo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez ! Même dans les situations les plus stressantes. Anti-transpiration, anti-odeur. Déo Stress Protect de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Classique intense. Le nouveau parfum de Jean-Paul Gaultier. Vous avez l'air bien souriant. C'est le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Randy est malade ? Non, elle est en retard. Franck ira la conduire. Qu'est-ce que tu dis ? Franck ira la conduire. Sa mère est au courant ? Je sais pas, moi. Nous avons localisé la voiture suspecte, nous la prenons en chasse. Vous avez une idée de sa destination ? Bonjour, Bandy. Et voilà.
Bonne journée. Au revoir, Franck. Au revoir. Au revoir, Franck. Ça va, lieutenant? Ça va très bien, Mayfield. Alors, bonnes vacances. Bonjour, Laurie. M'a tué mon enfant. Laissez-moi vous expliquer. Des affaires comme celle-ci sont presque impossibles à résoudre. La seule chose qui joue en votre faveur, c'est que nous savons qui il est et sa façon d'agir. Il s'en est tiré cette fois-ci, il doit penser qu'on ne peut pas le coincer. Il va recommencer. Quand il passera à l'action, on le cueillera. Vous avez dit que le seul moyen, c'est de le prendre en flagrant délit. Mais c'est quand, lieutenant? Quand il les torture? Quand il les tue? C'est de cette façon que ça se passe, malheureusement. C'est insensé. Tout le monde ici croit que je fais une dépression nerveuse. Cet enfant doit être protégé. Il veut la tuer. Regarde tous ces cadeaux. C'est moi qui ai accroché les boules. Maman, il n'y a plus les gâteaux que j'ai. J'y peux rien, mon cœur. Prends une part d'un gâteau, c'est tout le monde. On a le droit de prendre les cadeaux. Non, c'est pour décorer. Tu m'en diras des nouvelles, c'est vrai qu'il est fait. Viens voir. C'est le cadeau que Valérie a apporté. Dehors, tante Laurie. Viens voir ce qu'on a fait. Faut pas rester toute seule. Ici, je vois très bien, Billy. J'ai aidé à le couper, tu sais. Allez, viens. C'est le plus beau sapin que t'aies jamais vu. S'il te plaît. Non, je jette un œil, mais je ne reste pas. D'accord. Tu vas voir. Je lui dis, mais regarde. Il est impressionnant, non? Alors raconte, il a coupé avec quoi, une hache, une scie? Eh bien, on avait d'énormes scies électriques avec des chaînes, c'était très lourd à tenir. Alors, j'en reviens pas encore. Je me suis fait des ampoules sur toute la main gauche. Et quand elle a été sur le point de tomber, il a fallu qu'on s'éloigne très loin parce que c'est dangereux. Et bien sûr, on va aller voir les autres. Avec une tronçonneuse, c'est formidable pour abattre les arbres. Est-ce que c'est toi qui as mis les poils tout là? C'est bien d'être venu. Oui, je reste pas longtemps. T'es sûr? T'as faim? Tu veux une Greg, part de... Tu m'aides à disposer les cadeaux sur la table? File. Attends-moi, je reviens. Tiens, je t'ai apporté un bon café. Merci. Fais attention, il est chaud. D'accord. Maman, monsieur S a dit que je pouvais aller skier avec lui, mais il faut que tu lui en parles. Je vais aller le voir. Ouais, tout à l'heure. Oui. Je pourrais y rester les deux semaines. Une, ce sera suffisant. Joyeux Noël, on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qui se passe, Laurie? Tu es un assassin. Et toi, tu es folle. On te coincera. Oui, tôt ou tard, on te coincera. Allez, ne dis pas de bêtises. Je vous apporte de la glace. Ça va aller. Non, c'est inutile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête après tout ce qu'il a fait pour toi. Si tu aimes ton enfant, éloigne-le de ton mari. Je sais que ce n'est pas évident et nous sommes tous sincèrement désolés. C'est pour toi que je suis désolée, chérie. Ces épreuves horribles te rendent malade. Tu n'es plus responsable de tes actes. Je suis pas la seule à être malade, j'en connais un autre. Tu racontes n'importe quoi, tu accuses n'importe qui. Si tu aimes vraiment. On ne va pas se battre. On doit aller voir un psy. Laurie, ne crie pas. Calme-toi. Calme-toi. Laisse-les, je te dis. Viens. Je ne comprends pas. Calme-toi. Je suis vraiment malade d'être ici. Oui. Laurie, calme-toi. Vous ne voyez pas à la maison. Bonjour. Arrête de dire ça.
secouer, Brandy. Ça vous regarde pas. Je croyais avoir vu ta maman quitter son travail. Vous avez une super vue, dites donc. C'est moi qui veille sur ma sœur quand ma mère est sortie. Ne vous approchez pas d'elle. Cassie, viens voir là, une minute. On était amis tous les deux, hein? Alors réponds-moi. Elle est chez les Mayfield, ta sœur? Je n'ai pas à vous le dire. Viens, on s'en va. Ouais, ça vaut mieux.
tuer, Franco, je te tire. Écoute, Laurie, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. J'en ai Brandy à l'école et je suis revenu ici parce qu'elle est malade. Sa mère sait qu'elle est ici, tu peux l'appeler. Vas-y, si tu ne me crois pas. Téléphone. Elle est à son travail, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, appelle-la. Laurie, tout cela est ridicule. Tu sais que tu ne vas pas tirer. Tu ne vas pas le faire. On aurait pu se douter que c'était lui. Ah, c'est lui. Ça va? On te méfie d'avouer le meurtre de Marie-Lee. Mon Dieu, mon bébé. Vous n'avez pas pu sauver votre enfant, mais vous en avez sauvé une autre. Il ne lui a fait aucun mal. J'aimerais jouer que tout soit terminé. J'y vais. Laurie, tu avais raison. Je t'en serai toujours reconnaissante. Toujours.
Non, ce n'est pas un jouet. Nous avons localisé la voiture suspecte, nous la prenons en chasse. Vous avez une idée de sa destination ? Sharon ne devait pas passer. Oh, je lui ai dit de passer plus tard, j'avais des choses à faire. J'ai vu le moment où ils allaient m'obliger à avouer. J'étais prêt à appeler un avocat. Finalement, ils m'ont laissé partir. Est-ce que tu veux ? Je l'ai fait pour tout le monde. Les enfants aussi. Et sur cette page, j'ai mis tout ce qu'on a écrit dans la presse à propos du crime. Il y a les indices, les témoignages. Laurie, la police a déjà fait tout ce travail. Je sais, mais essaie de comprendre. Le meurtrier est quelqu'un qu'on doit sûrement croiser tous les jours. Je connaissais ma fille. Jamais elle ne serait sortie de la résidence sans me prévenir. De deux choses l'une, ou bien le meurtrier n'habitait pas la résidence et il l'a enlevée. Et personne n'a remarqué quoi que ce soit, à part cette camionnette. Ou bien il était déjà sur place. Laurie, je sais ce que tu dois ressentir, mais... Non, tu ne sais pas. Si un tel drame ne vous est encore jamais arrivé, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vit. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pensé qu'on ferait une bonne équipe, tous les deux. Toi, tu questionnerais les gens de ton côté et moi du mien pour trouver de nouveaux indices. Et peut-être qu'on apprendra que cet après-midi-là, un livreur ou un autre... Laurie, je ne peux pas gêner le déroulement de l'enquête. Franck, ce sera notre petit secret. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire, merci. Mais je ne te promets rien, c'est délicat. Tu es vraiment un ami, Franck. Ouais. Notre secret. Oh, tu peux en être sûr. Si je le dévoile, je risque d'avoir des ennuis. Je m'en doute. Ouais. Merci. De l'aide, d'accord ? Je le fais pour les mettre au courant, c'est tout. Oui. Sois tranquille, on va faire le nécessaire. Allez, calme-toi. Mais où est-elle ? On va l'attendre à l'intérieur. Elle va arriver d'un moment à l'autre et demain tout sera oublié. Les gars, vous prenez vers le nord jusqu'à Cutty Creek. Rodrigue, lui, il ira vers le sud. Les lanières du guidon ont été trouvées par là.
Il y a plein de volontaires qui vont se pointer. Parfait. Installe-moi des barrages. Je veux pas voir la presse tant que je serai pas prêt à faire une déclaration. Il est quelle heure? 6h moins le quart. Il va pas tarder à faire nuit. Alors tu vois si tu peux trouver une radio qui fonctionne. Qui est de garde cette nuit? Kramer. Très bien. Dites-lui de venir sur place. Essaye aussi de m'avoir Jack Henry, il s'est parlé aux familles. Et arrange-toi pour savoir si l'hélicoptère est déjà parti, j'en ai vraiment besoin. D'accord. Nous sommes toujours sans nouvelles de la petite fille âgée de 6 ans, Marie-Lie Girard, qui a disparu de son domicile à Vista View, où elle vit avec ses parents. Nous allons essayer d'interroger le shérif qui vient d'arriver à l'instant. Écartez-vous, nous sommes en train de travailler. Shérif, avez-vous des éléments nouveaux à nous communiquer? Je suis désolé, mais je n'ai aucune déclaration à faire. Croyez-vous qu'il s'agit d'un acte criminel? Je vous répète que je ne suis pas en mesure de me prononcer. Bien sûr qu'on a vérifié, c'est même la première chose que nous ayons faite. Cette camionnette blanche garée juste devant l'école cet après-midi était chargée de meubles. C'était une livraison pour un habitant de la résidence. C'est tout ce que je peux... Marie-Lie avait quitté la maison à vélo à 2h15 et qu'elle devait revenir vous voir toutes les demi-heures. Donc à 3h moins le quart. Elle l'a fait? Non. Alors vous êtes allé à sa recherche, mais pas avant 3h. C'est ça, oui. J'ai dû m'assoupir quelques minutes. Vous vous êtes assoupi une demi-heure environ? Non, pas si longtemps. Je suis désolée, tout s'embrouille dans ma tête. J'y arrive pas. Ce n'est pas grave, écoutez. Nous allons remettre cet entretien plus tard. Oui. Bien, je vous rappellerai, madame. Tu as raison, il faut lui laisser encore un peu de temps. On est tous les deux maintenant. Laurie, tu es prête? Les obsèques ne seront pas longues. Tu veux dire au revoir à Marie-Lie, n'est-ce pas, Laurie? Non. Je ne veux pas dire au revoir à Marie-Lie. C'est encore trop tôt. Sharon, tu peux m'apporter mes cachets? Ça ne va pas t'enlever ton chagrin. Ça ne fera que t'assommer. Tiens, merci. Si vite. En mettant le pied au plancher, je fais pas mal d'excès de vitesse. Ouais, je vois. Tu as besoin de te reposer, toi aussi. Je te remercie. Thank you.
crois que tu vas souffrir? Oui. Moi, non. Tu sais pourquoi? On a un mandat de perquisition. Qu'est-ce que vous comptez trouver? Si je le savais, j'aurais pas besoin de chercher. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Olsen, tu fais la chambre et vous autres, vous me fouillez tout le salon. Hé, hey, pose ça! Hé hey, laissez ces photos où elles sont. Mettez pas vos alpes dessus, n'y touchez pas! Je vais appeler votre collègue. Pourquoi vous ne qu'il est là? Ça ne servira à rien de l'appeler. Sorry. Viens. On va sortir d'ici. Viens, viens. Valérie, je peux utiliser ton téléphone? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent la maison. Pour trouver des indices? Pourquoi? Je me demande ce qu'ils font là. Hey! Hey, sortez de là-dedans! Qu'est-ce que vous faites? Hey, qu'est-ce que vous cherchez là? Éloignez-vous, Félix. Vous cherchez les empreintes de Marilyn? Il y en a plein dans la cabine. Je vous emmenais tous les week-ends. Restez pas là, je vous dis. Il me soupçonne d'avoir tué notre petite fille. J'ai jamais fait de mal à cet enfant. Je l'aimais autant que toi. Vous m'emmenez tout ça au labo et vous le faites examiner. Hey, touchez pas à mes affaires! Laissez-les faire leur travail! Vous allez vous la calmer! Vous êtes en état d'arrestation, Greg! Vous avez le droit de garder silence si vous décidez de garder tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Pourquoi vous m'arrêtez? Laurie! Oh, Greg! Oh, ma chérie! Quel malheur! Ça va aller, je suis là maintenant. Ils vont la retrouver, j'en suis sûr. Allez, allez, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Mayfield, t'as besoin d'un coup de main? Oui, Claire Perry ici. J'ai vu des traces de sang. Ah non. Ce sont des traces d'animal. Tu peux me dire l'heure? 4h30. Je suis sûr qu'on va la retrouver. J'en suis convaincu. Je sors. Je vais aller leur donner un coup de main. Excusez-moi, madame, je vais faire un long trajet, alors si une jolie fille comme vous pouvait me faire du café, ça m'aiderait à rester éveillée toute la nuit. Où est-ce que vous croyez? Les types dans votre genre, on n'en veut pas ici. Dès que j'aurai eu mon baiser d'adieu, je poursuivrai mon chemin. T'es de retour mardi? Je te ramènerai un petit cadeau. C'est toi mon cadeau. Évite de te faire pincer pour excès de vitesse pour une fois. Qui ça? Moi? Et Greg, t'as parlé au type de la banque? Merde, je pars avec nous. Comme d'habitude, Greg est parti? Oui. Il a enfin du travail. J'espère qu'il n'aura pas toujours des voyages aussi, non? Tu devrais plutôt être contente qu'il ait trouvé ça.
Tu vas bien? Il faut que j'aille faire une sieste parce que maman dit que je peux attraper le rhume. Mais je vais pas attraper le rhume, mais elle dit que si. Tu vas faire la sieste avec lui. Son nom, c'est Suzy. Ma fille aussi avait une peluche. Elle s'appelait Patsy. Maman dit que Marie-Lie... Pousse vite, n'est-ce pas? Il paraît que vous avez pris le relais. Oui, le shérif fait tourner ses équipes tous les deux ou trois mois environ. Moi, j'ai demandé à rester sur ce dossier. J'étais venu me recueillir sur sa tombe. Ça fait tout juste trois mois aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous ne me suivez pas? Vous n'avez jamais été suspecté, Laurie. Greg non plus. Vous savez ce que je crois? L'homme qui a tué Marie-Lie est de Vistaview. Où il vit ici, où il travaille tout près. Laurie... Toutes les personnes qui se trouvaient dans le parc le jour où c'est arrivé ont été contrôlées. Ça, c'est quand Kramer menait l'enquête et que tout le monde croyait que c'était Greg. Alors vous vous dites que maintenant, on pourrait peut-être revoir certains témoignages. Ça vaut le coup d'essayer. Certains détails nous échappent, comme cette voiture crème qu'un témoin aurait vue là où on a trouvé le corps. Frank Mayfield a une voiture de la même couleur. Hey, Olsen. Il me manque plusieurs dépositions sur l'affaire Marie-Lie Girard. Elles sont toutes là. Et celle de Frank Mayfield? Obéis. C'est encore loin? Il n'y en a plus pour longtemps. Demain matin, vous viendrez signer votre déposition. Tu penses qu'il viendra? Bien sûr qu'il viendra. Tu ne crois pas qu'on est peut-être allé un peu trop loin avec les Phillips? Jack, 9 fois sur 10, c'est lié à des querelles de famille, ces crimes-là. Arrête avec tes statistiques, je te parle d'êtres humains, pas de robots. Attends, j'ai pas plus envie que toi d'expédier ces gens en tôle. Mais qu'est-ce qui nous reste si c'est pas un crime sexuel? Eux deux. Ni l'un ni l'autre n'ont d'alibi. La mère est la dernière personne à l'avoir vue en vie et elle nous a déjà menti. Ça n'avait rien d'intentionnel. Ils ont aussi des problèmes financiers. Si ça c'était un crime, toute la ville serait sûrement en tôle. Jack, t'as vu son casier qu'on nous a fait parvenir du Texas? Oui, je ne dis pas que c'est un saint, mais consommer de la drogue c'est une chose et commettre un meurtre c'en est une autre. Il prend de la drogue et il en vend. Dieu sait ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas pour sa femme, mais en ce qui me concerne, Greg Phillips est notre client. C'est mon suspect numéro un. Calme-toi. Laisse-les, je te dis. Viens, viens.
Je ne comprends calme pas. Calme-toi, Thérèse. Je suis vraiment malade d'être ici. Oui. Laurie, calme-toi. Vous ne voyez pas à la maison. Quitter son travail. Vous avez une super vue, dites donc. C'est moi qui veille sur ma sœur quand ma mère est sortie. Ne vous approchez pas d'elle. Cassé, viens voir là, une minute. On était amis tous les deux, hein? Alors réponds-moi. Elle est chez les Mayfield, ta sœur? Je n'ai pas à vous le dire. Viens, on s'en va. Ouais, ça vaut mieux. Excuse-moi, je suis en retard aujourd'hui. Pas se disputer. Je t'aime. Qu'il est arrivé vite parce qu'il n'avait pas un aussi long trajet que ça à faire pour revenir. Je ne sais plus quoi penser. Je lui fais confiance et je l'aime. Tu ferais mieux de les montrer à la police. Non, s'ils les veulent, ils n'ont qu'à me le demander. Où j'ai mis mes cachets? Oh, j'ai dû les oublier à la maison. Laurie, Franck, ne dis pas à Greg que je suis passée te voir. D'accord, je ne dirai rien. Allez, viens. Merci. Ouais. Je suis en retard aujourd'hui. On ne devrait pas se disputer. Je t'aime. Moi, c'est, tu devrais le savoir, non? C'est pas qu'ils soient intelligents, mais le mensonge, c'est inné chez eux. T'as vu ça? Les hématomes sur les poignets? Oui, j'attends toujours. Elle portait peut-être des bracelets et il les a arrachés violemment. Oui. Et vous avez la date exacte? C'est ça, oui, Greg Phillips. Oui, dites, vous ne pourriez pas me poster tout ça au plus vite? C'est très gentil de votre part. Oui, merci.
Merci beaucoup. On le tient. Bravo qui ? Je voudrais qu'on vienne un peu en arrière. D'après mes renseignements, vous vous êtes mariés il y a un an. C'est la première fois pour vous deux ? Moi, oui, mais Laurie a été mariée au père de Marily. Ah, et comment vous vous êtes rencontrés ? Eh bien, j'avais un chargement de logiciels à livrer de San José à Phoenix. Et comme j'allais dans l'Arizona, une copine m'a dit « Ma meilleure amie habite dans l'Arizona, tu devrais passer la voir. Je suis sûr que vous vous entendrez. » Voilà. Elle avait raison. Et vous êtes devenu le beau-père de Marily. D'après ce qu'on m'a dit, c'était une enfant agréable. Oui. Elle m'a accepté sans problème. C'était comme si j'avais toujours été là. Vous deviez être très attaché à elle. Il y a plusieurs choses qui clochent. Alors j'aimerais qu'on éclaire... Laurie, les saucisses et les œufs sont prêts. Hé, Laurie, où tu vas ? Ce n'est pas ce que tu crois, Laurie. Je n'ai rien dit. Tout le monde sait ce que tu fais. Quelqu'un l'a bien dit à la police. Bon sang, j'ai pris plein de risques ces derniers temps. Et toi, tu me remercies de cette façon-là. Laurie ? La seule chose qu'il fallait dire à Kramer, c'est que tu voyais pas du tout de quoi il parlait. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Monte dans la voiture. Laurie, monte, je te dis. Allez. Viens. Pourquoi elle est fâchée ? C'est rien, ma chérie. Allez, entre. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi vous parliez ? Quelqu'un a dit à la police ce que je faisais. Kramer s'est pointé au restaurant. Attends. Comment Franck a su que c'était Kramer ? Quoi ? J'ai jamais parlé de Kramer, je lui ai dit, la police. Oui, je sais pas de quoi tu parles, mais tu peux pas aller chez les gens et te disputer avec eux comme tu viens de le faire à l'instant. Cherche, mais pas avant 3 heures. C'est ça, oui. J'ai dû m'assoupir quelques minutes. Vous vous êtes assoupi une demi-heure environ ? Non, pas si longtemps. Je suis désolée, tout s'embrouille dans ma tête. J'y arrive pas. Ce n'est pas grave, écoutez. Nous allons remettre cet entretien plus tard. Oui. Bien, je vous rappellerai, madame. Tu as raison, il faut lui laisser encore un peu de temps. C'est fini, on est tous les deux maintenant. Laurie, tu es prête ? Les obsèques ne seront pas longues. Tu veux dire au revoir à Marily, n'est-ce pas, Laurie ? Non. Je ne veux pas dire au revoir à Marily. C'est encore trop tôt.
Laurent, tu peux m'apporter mes cachets. Ça ne va pas t'enlever ton chagrin. Ça ne fera que t'assommer. Tiens. Toxicologie ne signale aucune trace de poison dans le sang, cause de la mort, asphyxie par strangulation. Avec un bras sans doute. Celui qui l'a fait n'avait pas besoin d'être costaud. Et rien n'indique qu'elle ait été violée? Bien que sa culotte soit déchirée d'un côté, on ne peut pas dire qu'elle ait été violée. Tout ce que nous avons, ce sont plusieurs cheveux de couleur brune qui pourraient provenir de n'importe quelle tête. Ah oui, encore une chose, il y avait un hématome sur chacun des poignets. Il est couché dans la chambre. Le médecin lui a donné quelque chose. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tout allait si bien quand je suis parti. C'est fou comme les choses peuvent basculer. On se dit toujours que les drames, ça arrive qu'aux autres. Et puis un jour, ça vous tombe dessus. J'étais si fier d'entrer au CP. Elle disait, je suis une grande fille maintenant. Excusez-moi, je parle, alors que vous êtes là pour travailler. Vous avez une enquête à mener, et moi, je sais même pas quoi vous dire. J'ai beau réfléchir, je ne vois vraiment pas qui a pu tuer Marie-Lee. On n'a aucun ennemi, j'aimerais pouvoir vous aider, mais je vois pas comment. Dites-nous seulement ce dont vous vous souvenez. Bien, j'étais sur la route en direction de Nogales et... CP demain. Elle entre déjà au CP, ta petite fille. Ouais, ça me rajeunit pas. T'as un problème? Tu me dragues, là? Excusez-moi, madame, je vais faire un long trajet, alors si une jolie fille comme vous pouvait me faire du café, ça m'aiderait à rester éveillée toute la nuit. Où est-ce que vous vous croyez? Les types dans votre genre, on n'en veut pas ici. Dès que j'aurai eu mon baiser d'adieu, je poursuivrai mon chemin. T'es de retour mardi? Je te ramènerai un petit cadeau. C'est toi, mon cadeau. Évite de te faire pincer pour excès de vitesse, pour une fois. Qui ça? Moi? Avec nous. Salut mon ange. Maman. Est-ce qu'on a été sage avec sa tante Sharon aujourd'hui? Elle a été adorable. Tenez les positions sur l'étranger, là. Il n'y en a pas deux qui concordent. Sur celle-ci, il est petit et brun. Sur celle-là, il est grand et baraqué.
Ah oui, ce petit vieux qui habite près du parc, monsieur Abbott. Il dit qu'il a vu une quatre portes couleur crème garée dans le coin vers 3h. Oui, je suis toujours là. C'est des renseignements sur les Phillips? Oui, elle était enregistrée sous le nom de Laurie Bates. Pas de preuves, pas de suspect, pas de mobile, pas de témoin. Les tueurs d'enfants sont difficiles à coincer, tu devrais le savoir, non? C'est pas qu'ils soient intelligents, mais le mensonge, c'est inné chez eux. T'as vu ça? Les hématomes sur les poignets? Oui, j'attends toujours. Elle portait peut-être des bracelets et il les a arrachés violemment. Oui. Et vous avez la date exacte? C'est ça, oui, Greg Phillips. Oui, dites, vous ne pourriez pas me poster tout ça au plus vite? C'est très gentil de votre part. Oui, merci. Merci beaucoup. On le tient. Bravo, qui? Je voudrais qu'on vienne un peu en arrière. D'après mes renseignements, vous vous êtes mariés il y a un an. C'est la première fois pour vous deux? Moi, oui, mais Laurie a été mariée au père de Marily. Ah, oui. Et comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, j'avais un chargement de logiciels à livrer de San José à Phoenix. Et comme j'allais dans l'Arizona, une copine m'a dit « Ma meilleure amie habite dans l'Arizona. » Ouais. Ouais, P comme Paul, H-I-L-I-P-S comme Sam. Ouais, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans le Texas. Très bien, j'attends. Tenez les positions sur l'étranger, là. Il n'y en a pas deux qui concordent. Sur celle-ci, il est petit et brun. Sur celle-là, il est grand et baraqué. Ah oui, ce petit vieux qui habite près du parc, monsieur Abbott. Il dit qu'il a vu une quatre portes couleur crème garée dans le coin vers 3h. Oui, je suis toujours là. C'est des renseignements sur les Phillips? Oui, elle était enregistrée sous le nom de Laurie Bates. Pas de preuves, pas de suspect, pas de mobile, pas de témoin. Les tueurs d'enfants sont difficiles à coincer, tu devrais le savoir, non? C'est pas qu'ils soient intelligents, mais le mensonge, c'est inné chez eux. T'as vu ça? Les hématomes sur les poignets? Oui, j'attends toujours. Elle portait peut-être des bracelets et il les a arrachés violemment. Oui. Et vous avez la date exacte? C'est ça, oui, Greg Phillips. Oui, dites, vous ne pourriez pas me poster tout ça au plus vite? C'est très gentil de votre part. Oui, merci. Merci beaucoup. On le tient. Bravo, qui? Je voudrais qu'on vienne un peu en arrière. D'après mes renseignements, vous vous êtes mariés il y a un an. C'est la première fois pour vous deux? Moi? Vous avez pourtant prévenu.